Bonjour à tous, c'est Flytox. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide parce que à l'heure où je vous parle, je suis en train de faire du ski à la montagne. Donc je ne suis pas là pour la semaine, donc il n'y aura pas de stream, il n'y aura pas d'autres vidéos. Mais j'ai quand même tenu à vous préparer une petite vidéo à l'avance que j'ai intitulée Kraken contre Kraken. Vous verrez l'allusion au cours de la vidéo. Voilà, donc pour cette vidéo, je suis en OBJ 268, char que je connais très mal puisque je suis sur compte contributeur. Je n'ai pas du tout ce char dans mon garage. Et je n'ai que très peu de parties avec. Nous sommes sur Temple Perdu, avec un matchmaking, on va dire, plus ou moins équilibré. On a deux lourds, trois médiums et deux TD. En face, ils ont trois lourds, deux médiums, deux TD. Donc moi, j'attends un petit peu que les joueurs arrivent en partie pour pouvoir leur proposer forcément d'aller au Temple. On a deux gros TD, dont un JPZ 200 et moi. En face, ils ont trois lourds, donc on a largement de quoi leur faire face et empêcher une poussée des lourds au niveau du Temple. On a les médiums qui veulent flanquer, qui demandent un one group. Alors, qui veulent flanquer, c'est pas une mauvaise idée. Le one group, c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, le 75 va avec eux. Vous regarderez un petit peu la minimap durant la partie. Vous verrez que le 75, du coup, va pas faire grand-chose. La metagame, pour un lourd aussi lent que le 75, c'est certainement pas d'aller suivre les médiums. Donc, en plus, il a un bon blindage, il peut s'extraper. Donc, il fait une grosse erreur, à mon sens, de ne pas aller au temple. Voilà, donc je regarde un petit peu ce qui se passe, notamment au niveau du temple, voir s'il n'y a pas un médium qui arrive, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe sur ce type de partie-là. J'ai fait un petit fail, là vous voyez, je fais des petits fails de placement, parce que je connais vraiment pas bien le char. Mais bon, globalement j'ai le 704 dans mon garage, donc c'est un 704 buffé avec une meilleure mobilité. Là, comme prévu, on pop les lourds, le 75 passe, je peux lui mettre une jolie mine. Et pourquoi j'ai intitulé ma vidéo Kraken contre Kraken? Bah, tout simplement, vous regarderez le pseudo de ce 75. Voilà, ça m'a amusé. Je me suis dit, tiens, un autre Kraken, mais là c'est le pseudo et non pas le clan. Donc bah, je me suis fait un petit plaisir de le focus pour le plaisir. Donc là, une première mine qui est passée. Donc j'en ai mis une deuxième sur l'IS-8. Je lui ai abîmé la morac. Donc j'étais assez surpris de la qualité du camouflage du 268 parce que j'ai pas été détecté tout de suite. Donc pour l'instant, je vois si nos deux petits lourds tier 9 là-bas en PLS vont ressortir, mais pas tout de suite. Donc je vais avancer un petit peu parce qu'il faut quand même pousser pour que la partie puisse avancer. Et là, l'IS-8 ressort. Je peux lui remettre une jolie petite mine et il lui reste pas grand-chose. Je décide donc d'avancer parce que je vois que tous les rouges ont été spotés au niveau du temple et ils sont déjà entourés par nos médiums qui, pour le coup, ont bien fait leur contournement. J'ai voulu sortir le tortoise, mettre T54 la U avant, juste avant de se faire sortir par le centurion certain. Donc je continue de pousser sur ce 75, sur mon ami Kraken. Et je vais pouvoir lui en mettre une dans le bas de caisse avec un joli roll à 710. Là pour le coup, le RNG est avec moi. Alors il m'en a mis une, mais c'est pas grave, hein, puisque bah, de toute façon on a des PV, c'est pour pouvoir les utiliser. Et là il a tiré sur quelqu'un d'autre, je vais pouvoir le finir tranquillement. Voilà, je lui ai farmé ses 1800 points de PV. Donc Kraken contre Kraken, victoire Kraken. Là on arrive en arrière, vous voyez qu'on a bien poussé, mine de rien ils se sont retrouvés entourés. Et nous on a poussé, donc ils sont vite retrouvés en PLS sur le fond de la map. Là j'ai utilisé une hit pour le T110-3 parce que c'est compliqué. J'étais passé à la HE pour voir si je pouvais choper son bloc moteur, mais c'était pas le cas. Je vois le 7-1 qui essaye de s'enfuir. Je vais préférer détruire le 7-1 pour sortir un canon et éviter de devoir courir après un médium. Et là, je vais repasser à la HE sur le tourlot. Si vous avez un T110-3 en face de vous et que vous avez un énorme canon, surtout n'hésitez pas à sortir la HE et à viser le tourlot. Ça ne passera pas avec une hit, ça ne passera pas avec une AP, mais avec une HE, vous faites le travail et vous pouvez terminer un char. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller chercher le dernier. Vidéo rapide et assez surpris par ce 268 que je trouve pas mal. Avec 4492 de dégâts et 3 kills, ça fait un gros calibre. Et puis bah, j'ai trouvé ça assez fun de pouvoir vous montrer un autre Kraken en face qui n'est pas de la Kraken Team. Donc on a quand même spoté deux ennemis, sans d'assistance, c'est sûrement parce que j'ai touché des tracks. On a touché 4 ennemis, on a spoté le FV4202. Donc globalement, le DPM de ce canon est assez impressionnant. Alors là, j'avais oublié de retirer, enfin de remettre la munition gold en crédit. Donc du coup, comme j'ai tiré une hit, ça m'a coûté cette gold. Heureusement, je suis sur compte contributeur. Voilà, donc c'est une vidéo très rapide. Je suis vraiment désolé, j'ai pas le temps de vous faire mieux. Comme je dis, je passe un petit peu de temps à la montagne. En tout cas, je prends le bon air, je reviens avec plein de bonnes idées. Et bah, vous aurez une vidéo dès mon retour. Allez, à très bientôt!